Ce n'est pas un privilège. Et on ne se presse même pas pour ça. Mais souvent, nous cherchons à écouter la voix du Seigneur. Et pendant que j'étais en train de prier pour demander la volonté de Dieu pour cette assemblée, laissez-moi vous dire que Dieu me confirme qu'il est au milieu de vous. Oh, je suis en train de dire que Dieu me confirme qu'il est au milieu de vous. Voilà pourquoi je suis très fier d'être là où il y a la présence de Dieu. Et je crois que l'Esprit du Seigneur va nous aider à passer de bons moments ensemble avec vous. Et pendant qu'on était en train de chanter, oh oui, laissez-moi vous dire que
Dieu était en train d'ouvrir les yeux et de montrer les choses dans cette vie. Alléluia. Et je vous dis que Dieu est merveilleux. Je vais premièrement m'adresser à l'homme de Dieu, le pasteur Makech. J'aimerais vous dire ceci. Je ne vous connais pas. Je suis venu ici et c'est de là que j'ai contact avec vous. Je ne connais pas l'œuvre que vous avez. Mais j'aimerais vous dire une chose. Dieu du ciel m'a dit ceci. Vous avez passé le temps de combat. Par rapport à l'œuvre de Dieu. Il y a eu tellement de combats. Mais le Créateur a dit ceci. Il veut restituer les années qui ont été dévorées. Oui, je vous dis que Dieu va restaurer. Il va le restituer. Ensemble, assemblée, Dieu va le faire. Et Dieu demande une chose. Oh, d'être resté attaché avec lui. D'être encore ensemble avec lui. De marcher avec lui. Et ce Dieu-là va restituer. Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? J'étais en train de voir une sœur qui était passée devant ici. Elle avait le bras. C'est comme si elle avait fait l'accident. Elle est où? Merci ma soeur, que Dieu te bénisse. Je voulais te dire une chose. Le combat n'est pas fini. Il y a un combat. Que l'ennemi a érigé contre vous. Et je vous dis, au nom du Seigneur, le combat n'est pas encore fini. Vous savez pourquoi il y a le combat? Parce qu'il y a la grâce de Dieu particulière dans votre vie. Il y a le don de la révélation. Dieu va commencer à vous révéler les secrets. Et par rapport à la grâce que Dieu a déposée en vous, l'ennemi ne vous laissera jamais. Restez approchés à Dieu. Priez le Seigneur. Et je vais dire un mot à ton pasteur. À la fin du culte. Et j'étais en train de voir les cœurs des gens brisés ici. Mais laissez-moi vous dire ceci. Que aujourd'hui, il y a quelque chose qui s'est passé. Aujourd'hui, il y a quelque chose qui s'est passé. Oh, je crois que par la grâce de Dieu, si Dieu me prête de vie, si Dieu le permet aussi, on reviendra ici pour faire un travail prophétique. Parce que Dieu nous a fait grâce par rapport à cela. Et on reviendra si Dieu le permet. Laissez-moi vous dire une chose encore par rapport à la parole de Dieu. Est-ce que tu peux prendre ta Bible? Prends un peu ta Bible. Prends ta Bible. Nous sommes dans le livre de Nombres, chapitre 15. Nombres, chapitre 15. Nous allons lire à partir du verset 37 jusqu'au verset 40. Nombres chapitre 15, 37 jusqu'au verset 40. Esaou, Kuminatano, na Musalia, Kalasini, na Faba, Mpaka, Arbaïm. Je fais la lecture au nom de Jésus. Nasoma, Katika, Tina, Labouan. Oh, je dis, je lis au nom de Jésus. Amen. Nasoma, Katika, Tina, Labouan. Alléluia.
L'Éternel dit à Moïse, Bwana kamwambia Musa, parle aux enfants d'Israël et dis-leur qu'ils s'effacent de génération en génération une phrase au bord de leurs vêtements et qu'ils mettent un cordon bleu sur cette phrase du bord de leurs vêtements. Le verset 38, quand vous l'aurez cette phrase, vous la garderez. Vous vous souviendrez de tous les commandements de l'Éternel pour les mettre en pratique. Et vous ne suivrez pas les désirs de vos cœurs et de vos yeux pour laisser entraîner à l'infidélité. Vous vous souviendrez ainsi de mes commandements, vous les mettrez en pratique et vous serez saints pour votre Dieu. Parole du Seigneur. Amen. Tunasoma kitabu ya Hesabu sura ya 35:37-40 kwa jina la Yesu. Bwana akamwambia Musa akisema, sema na wana wa Israeli na kuagiza wajifanyie vishanda katika mapindo ya mavazi yao, katika vizazi vyao, na waweke juu ya kishanda cha kila pindo kamba ya rangi ya samawi, ya samawi. Na itakuwa kishanda kwenu ili mkiangalie na kukumbuka maagizo yote ya Bwana na kuyafanya, na msiende kwa kutaka kwa moyo wenu wenyewe na macho yenu wenyewe, na kuyafuata kwenda kufanya uasherati ili mkumbuke na kufanya maagizo yote na kuwa watakatifu kwa Mungu wenu. Amen. 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 Parole du Seigneur. Ili neno la Bwana. Parole du Seigneur. Neno la Bwana. Écoutez mes frères, ce qui lisait Wango. Dieu avait choisi un homme du nom d'Abraham. Mungu akachagua mtu mmoja jina lake lilikuwa ni Abraham. Un jour Dieu va parler à Abraham. Mungu anaenda kuongea na Abraham. Il dit, ta descendance ira dans un pays lointain. Mais après plusieurs années, moi Dieu, je viendrai pour les libérer. Et Dieu a respecté sa parole. Au temps convenable par Dieu, Dieu était venu libérer son peuple en Égypte. Et il était en train de marcher avec son peuple vers Canaan. Laissez-moi vous dire une chose. C'est lui qui a amené Israël en Égypte, c'est Dieu. Wa Israël, kule Misri, ni kwa ni Mungu. Oh, je ne sais pas comment tu peux appeler Égypte. Nous savons que l'Égypte était un pays où les enfants d'Israël ont souffert. L'Égypte c'était un endroit où il y avait la souffrance pour les enfants d'Israël. Mais Dieu c'est lui qui a amené les enfants d'Israël. Il savait que c'était un endroit où ils vont souffrir. Mais Dieu va dire à Abraham, ta descendance ira en Égypte. Qui les a permis? C'est Dieu lui-même. Oh, laissez-moi te dire une chose. Il y a des situations dans nos vies. Il y a des problèmes dans nos vies. Et c'est lui qui nous amène. C'est Dieu lui-même. La situation peut être compliquée. Mais ne te pose pas beaucoup de questions. Parfois, Dieu, il amène l'homme dans cette situation. Mais pourquoi faire? Pour qu'à la dernière minute, il manifeste sa gloire. Je suis en train de dire à une personne ici, la situation que tu es en train de traverser, les problèmes que tu as,
Jacob. C'est lui qui a permis cette situation. Il va te faire sortir là-bas. Dans ton foyer, tu souffres. Élève tes yeux vers le Seigneur. C'est lui qui t'a amené là-bas. Il va te ramener. Et lorsque tu vas sortir, tu sortiras les mains levées. 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 Oh, peut-être ici à Columbus. On te connaît dans une mauvaise vie. Ce n'est pas la prophétie. Vous pouvez tourner un peu. Regardez les gens. Vous voyez ça? Ce qu'on a ajouté là. Soulevez un peu. Vous voyez ici? Ce qu'on a ajouté. C'est ce qu'on appelle une frange. Vous comprenez? Yes. Ce qui a l'habit. Mais Dieu a dit aux enfants d'Israël. Dans vos habits, ajoutez une partie, une flash. Est-ce que nous avons vu? Merci, ma soeur. Dieu dit ceci. Dis aux enfants d'Israël d'ajouter une flash dans leurs vêtements. C'est qu'à tout moment, vous allez commencer à le regarder. Vous allez vous souvenir du commandement de l'Éternel. C'est qu'à chaque fois vous allez le regarder, vous allez vous souvenir du commandement de l'Éternel. Le Seigneur dit ceci. Pour que vous ne puissiez pas marcher selon vos pensées et selon les désirs de vos cœurs. Parce que Dieu sait qu'un être humain, un homme, a une pensée, a des idées. Et pour empêcher l'homme de vivre selon l'humain, Dieu a donné une ordre. Moïse dit aux enfants d'Israël d'ajouter une flash de l'œuvre. Une flash. Je ne sais pas si ton habit a une flash. Je ne sais pas. Je ne sais pas là où tu es. Si tu as une flash. Parce qu'en dehors de ça, tu ne connaîtras pas la volonté de Dieu. Et si tu ne connais pas la volonté de Dieu, tu vas vivre selon ta pensée. Tu vas vivre selon ton cœur. Dis à ton enfant d'Israël de mettre une frange dans leur vêtement. Pour
se souvenir de ma parole. Parce que l'homme a ses pensées. Vous savez, ce qui permet les gens de chouer dans leur vie, c'est parce que l'homme vit selon ses pensées. Lorsque l'homme veut vivre selon lui-même, il échoue. Si tu veux réussir, marche selon le Seigneur. Oh, je suis en train de dire, si tu veux réussir, marche selon le Seigneur. Je ne parle pas du mariage. Mais je prends seulement un exemple. C'est Dieu qui a fait une femme pour Adam. Lorsque Dieu a fini de faire cette femme-là, Dieu va prendre la femme, va amener devant Adam. C'est Dieu qui l'a fait. Dieu a préparé une femme. Mais Dieu va amener la femme devant Adam. Et lorsque Adam va regarder, Adam va prophétiser. Adam va parler. Adam va dire quelque chose. Mais qu'est-ce que Adam avait dit? Voici cette fois-ci. Voici cette fois-ci. Os de mes os. Chair de ma chair. Vous connaissez cette parole? Vous connaissez ça? Oh, vous connaissez ça? Voici cette fois-ci. Os de mes os. La chair de ma chair. Regarde ton corps. Tu ne peux pas voir les os. Mais comment? Lorsque tu as mené Ève devant Adam. Ça représente une personne. Nguo, je n'ai pas une chaka utu wa Mungu.
mwanadamu. Je vais vous donner un exemple. Acha nikupatie mfano. Vous savez, lorsqu'on a arrêté Jésus, wakati yenyewe alifunga Yesu, les gens se sont précipités pour prendre son vêtement. Ya kwanza yenyewe alitafuta kwanza ni kumvua nguo yake. Ils ont pris le vêtement. Bakakamata nguo yake. Et plus loin dans la Bible, na ukaendelea na kusoma neno la Mungu, la Bible dit ceci. Biblia inasema, Jésus dit, ils m'ont dépouillé. Biblia inasema sema balikaninyanganya yote. Parce que cet habit-là, kwa sababu hiyo nguo, ça représentait le Seigneur. Amen. Ça représentait Christ. Jésus. Nous allons arriver tout de suite. Tout à l'heure. Tu comprendras que la vie, ça représente une personne. Voilà pourquoi parfois les gens qui sont utilisés par les dons spirituels, Dieu peut te montrer, tu vois la vie sale. Dieu est en train seulement de te dire ta vie est sale. Ni kusema huyo mtu mwenye Mungu iko na kuonesha kuonesha maisha yake ni mabaya machafu. Parce que la vie représente. Kwa sababu hiyo manguo mkiroho ndio inaonesha maisha yako ya kiroho. Si la vie représente une personne. Kama manguo inaonesha utu. Le Seigneur, Bwana, il dit à Moïse. Anaambia Musa. Dites aux enfants d'Israël. Ambia qu'ils ajoutent. Baongeze. Ils fragent. Kitu kitepe à leurs habits. Mango ya. Parce que si la vie. Kwa sababu mango. Ça représente l'homme. Inaonesha utu. C'est que ta vie à toi. Maisha yako. Tu dois associer la parole de Dieu. Pas tu dois associer. Tu te souviens de la parole de Dieu. Non, tu n'agiras pas selon toi. Tu dois agir selon cette parole. Oh, quelqu'un m'a fait du mal. Comme un habit. Comme un habit. Oui, on m'a fait du mal. Je vais l'expliquer. Mais je vais regarder à cette phrase. Oh, cette phrase-là. Ce n'est pas autre chose. C'est la parole de Dieu. C'est qu'à chaque fois, je vais agir dans ma vie. Je dois regarder à la parole. Qu'est-ce que la parole de Dieu? Quelqu'un me fait du mal. Quelqu'un me critique. Quelqu'un me parle du mal. Je vais te poser une question. Ton habit à toi. Est-ce que tu es une flash? Alléluia. Commence à te regarder. Est-ce que tu y as une flash? Il y a des gens qui pensent ceci. Comme je suis arrivé en Amérique, c'est fini. La vie ne se limite pas ici. Nous sommes les citoyens célestes. Mais parce que elle, yeah, yeah, oui, sa couche a pris ferme.
imeisha. Sa course avait pris fin. Manake njia yake imeisha. Mais tous ici nous continuons. Sisi hapa si wote tuko naendelea. Mais la Bible dit ceci. La Bible dit la seule. Il est réservé à l'homme. Il m'empatia kwa mtu. De mourir une seule fois. Kufa mara moja. Après quoi dire les choses. Na pani cha kufa kwa kila mtu. Sera où? Kwa kati ya wewe sera où? Utaenda wapi? Oh, prends une phrase aujourd'hui. Que Dieu nous fasse grâce aujourd'hui. De porter une phrase. D'assois la parole de Dieu à nous. Il est dans la mouille. Et de marcher avec cette parole. Moïse. Moussa. Dis aux enfants d'Israël. Vous savez pourquoi? Dieu avait dit à Moïse. Moussa. De mettre cette phrase dans la leurs habits. Parce que Dieu savait. Tu vois quelqu'un, il vit sa vie chrétien à cause d'un frère, à cause d'une soeur. Moi j'ai toujours dit ceci. Dans l'église où j'ai conduit, j'ai toujours dit ceci. La véritable vie chrétienne, c'est lorsque quelqu'un est seul. Nous avons vu.